Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième ronde du tournoi de Jigo organisé par Fulgurogo. Donc encore une fois, sa chaîne est en description pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il organise pas mal de tournois tout au long de l'année. Donc là on affronte Sofonx qui est 7Q avec noir et moi j'ai blanc du coup avec 7 de commis, tout rond. 2Q contre 7Q, donc à voir. Normalement, on pourrait dire que je suis avantagé. Et oui, je suis certainement avantagé, mais j'ai perdu ma dernière partie à égalité contre elle. Donc attention quand même. Hein, pour ceux qui n'ont pas, c'est une des dernières vidéos de tournoi, le tournoi précédent. Donc on a 25 minutes chacun, plus 20 secondes d'incrément par coup joué, avec un cap à 25 minutes max. Voilà, les règles sont chinoises, et je crois que j'ai tout dit. On va commencer la partie. Donc ça joue Komoku. On va jouer Oshi. Bonsoir à toi Goshi, comment tu vas? N'hésitez pas à me dire aussi sur YouTube si vous voulez que je rajoute le chat. Parce que des fois peut-être que je réponds à des personnes dans le chat. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute le chat en bas à droite par exemple. Peut-être que je le ferai encore de partie là, on verra. Un jeu Komoku. Jigo ou pas? Jigo Daniel. Oui, tu l'as déjà fait. J'ai le chat ici. Non, j'ai pas le chat. Bon, on verra plus tard. Et ça joue un grand Shimari. Donc là, c'est avant l'IA ou après l'IA, c'est on empêche de faire un deuxième Shimari tout simplement. Donc, on va approcher par ici. Pour l'instant, pas bien compliqué. On n'a pas envie que Noir puisse jouer un de ces quatre coups. Donc on vient, on empêche. Et Noir pince. Faut savoir que sur n'importe laquelle des pinces. Pince. Sur n'importe laquelle des pinces, en soi, Blanc peut tenuki. Blanc peut tout à fait aller là, hein, ce qui est le coup le plus classique, comme on répond. Mais Blanc peut tenuki. Il peut jouer ailleurs. Parce qu'en un coup en plus, Noir ne peut pas vraiment prendre cette pierre. Si ça se joue comme ça, Blanc peut sortir en soi. Il souffrira peut-être un petit peu, mais il peut sortir. Et si Noir va comme ça, Blanc peut sortir, etc. Donc ça me donne envie de moi-même prendre soit le coup en F3 qui semble assez gros. Soit un de ces quatre coups. Ça donne envie un de ces coups-là, en fait. Mais je pense qu'en termes de direction, ça peut être pas mal de jouer le F3. Pourquoi? Parce que si je joue par là et que Noir fait un développement par ici, effectivement, hein, je m'étends, il continue, je ne sais pas, une séquence. Un peu comme ça, par exemple, on fait un peu au pif, et qu'après il approche ici, il va développer quelque chose de très intéressant dans cette direction, sur le bord sud. Donc je préfère jouer là, pour prévenir un peu de ces séquences. Ça fait quand même un petit shimari de coin en quelque sorte. Hein. Ici il reste une entrée à noir, mais ça fait quoi? Ça, si vous connaissez, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ça c'est un coup. Est-ce qu'on a envie de le faire? Bon, pas certain. Et blanc approche. Ici, il faut que je regarde. Ce coin-là n'est pas vraiment statué. Ici, c'est plus moi, mais c'est pas sûr à 100%. Ici, c'est plus noir, mais c'est pas sûr à 100% non plus. Hein, il y a des coups d'approche. J'ai bien envie d'un coin quand même. Donc, on va aller en C16. Il est où le chapeau breton? Et on va s'étendre. Là, normalement, ça s'étend. Ça peut d'abord faire E16. Donc là, ouais. Soit noir directement vers là. Ce qui est assez commun. Ou en quatrième ligne, hein, selon sa préférence. Soit on peut venir là d'abord. Blanc répond. Et ensuite, on étend. Mais c'est un peu du détail, hein, ça. Donc noir s'étend et il est goté. Donc finalement,
On a secure à peu près un coin, un deuxième, et on peut revenir là si on veut. Et on voit quand même qu'on a rajouté aussi, il faut se dire, toutes ces pierres-là sont en troisième ligne. Cette pierre-là en troisième ligne, celle-là est en troisième ligne. On a joué très territorial. Après, on peut se dire que l'adversaire aussi joue très bas. Donc là, les deux joueurs jouent assez bas. Il va y avoir quand même une course vers le centre quand même pour essayer de prendre un peu de force parce qu'il faut un équilibre entre les deux. Donc je pense que le timing ici est pas mal pour du P4. Écraser un peu. Chercher de la force par ici. Imaginons une séquence très simple comme ça. Et après, on peut peut-être aller chercher une pince par là et empêcher qu'il y ait un trop gros développement noir dans cette zone-là. Mais blanc n'est pas du tout d'accord. Et pousse. Et quand on pousse dans un kéma, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Ce qui est intéressant, c'est cette séquence est moins dérangeante pour blanc quand la pierre de pince est en R8 plutôt qu'en R7. Donc là, je viens ici. Parce que dès que j'ai ce coup, je crois que je dois le jouer tout de suite, je crois d'ailleurs. Dès que j'ai ce coup, je vais pouvoir sauter ici. Si noir tente de couper, on va ici. Si noir va là, on va là. Noir ne peut pas couper, sinon on capture sa pierre. Alors que si la pierre noire était en R7, c'était plus compliqué. Il fallait jouer des séquences dans le coin, c'était plus compliqué. Donc là, blanc empêche justement de sortir tout de suite, sauf qu'il n'a pas ajouté de coup dans son coin. Comment on fait? Je crois qu'un coup comme ça est pas mal. On va réfléchir un peu. On a du temps? Oui, on a du temps. Blanc, noir. Blanc, noir. Mais blanc, et là c'est équivalent des deux côtés, c'est embêtant. Donc noir fera atterri de ce côté. Mais là on vient là. Noir capture, blanc atterri, noir complète. Et blanc connecte. Ouais, ce coup a l'air pas trop mal. S'il répond S3. Et s'il descend en Q2, je crois que je remonte en P3. Ça me parle ça. Il lui reste 4 libertés. S'il vient en S3. Je peux venir en S2. S'il descend, je peux aller là. S'il fait ça, je viens ici. Qu'il prend la pierre. On fait atterrir là. Ah, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça passe ce genre de coup. En voyant le message du bot, ça me fait penser qu'il faut que j'en mette moins. Après, plutôt que mettre après X secondes ou X message, je vais mettre après X secondes et X message. Hop. Super. Il y aura moins de spam. Salut Lugubre, comment tu vas? Et ça vient comme ça. D'accord. Donc ça serait une erreur, mais ça, blanc. Ouais, vraiment là, je pense que le noir devait descendre une fois d'abord. J'avais l'impression que c'était plus compliqué pour moi de lire avec un coup en plus comme ça. Là, tout de suite. Tac. Si noir va là, je fais atterrir comme ça. Noir capture. Je fais atterrir comme ça. Noir complète. Et je vais là. J'ai 4 libertés ici. Ici, j'en ai. Moi, je suis tranquille. Et lui, il en a 3. Donc, on est tranquille. Si noir fait atterrir de ce côté, on fait. Atari. Enfin, on vient ici. Noir capture, on vient là, ça revient à la même chose. Ce qu'il faut lire aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si Noir descend? On descend? Noir ne peut pas couper, sinon on capture. Si Noir va là, on bloque.
Rien, noir peut pas couper si on capture. Donc noir fait Atari. Et dans ce cas-là, on peut faire Atari, il capture, on descend. Il sort. J'aime bien ce coup. J'aime bien ce coup. Ouais. J'ai l'impression vraiment que R4 et R2, c'est pas une bonne idée, mais Q2, si je connecte, bien sûr, ça a l'air bizarre pour moi. Donc vraiment, si Q2, je vais en R2. Si ensuite P3, je bloque en O3. C'est pas un peu lent ce coup en P2. Tu penses? Toi, t'aurais joué S2, c'est ça? Ça me parle le S2 aussi. En fait, je connais pas trop les séquences quand noir va directement en Q6. Il y a de ça aussi. Mais c'est possible, hein, c'est possible. C'est vrai que ça avait l'air compliqué, je sais pas si noir descendait en Q2 directement, je ne sais pas. Nevermind, il semble vouloir répondre normalement. Comment ça? J'ai déjà utilisé pas mal de temps, on voit quand même. Attention à ça. Bon, si ça se passe bien ici, en tout cas, ça pourrait être cool. Ça nous ferait direct 3 coins, potentiellement, hein, puisque celui-là, c'est pas encore défini, complètement. Donc, ça peut être sympa. Bon, ici, on Shibori. Shibori, c'est l'essorage. C'est, voilà, on fait Atari une première fois, on oblige à capturer. On fait un Atari une deuxième fois. Donc, en fait, on se rend en force tour, tout en retirant des libertés à l'adversaire, en le forçant à faire un pâté. Et là, on connecte. Ah, message supprimé de... Pourquoi t'as supprimé son message? Je l'avais déjà joué, de toute façon, le coup, hein, c'est pas grave, hein, Goshi. C'était pas un spoil, ça. Ça marche pas pour moi tout ça? Ah ouais, ça marche pas pour moi. Sérieusement? Ah, c'est moi qui me foire. Ok. Zut. C'est fou contre Sofong si j'y arrive jamais. Ouais, je suis mort. Hein. Oh là là. C'est dur? C'est un peu dur. Parce que pour le coup, Noir, il est très content de pouvoir se développer à fond dans cette direction, quoi. Ouais, je me suis foiré, mais j'avais l'impression que ça passait. Bizarre. Du coup, oui, effectivement, P2 devait être très lent. Hein. Donc il fallait que je fasse S2 tout de suite. Je connais pas du tout la réponse à ce coup-là, en fait, en direct. Je croyais que Noir allait faire un kéma, et je pouvais sortir, et voilà. Ouais, zut. Bonsoir, Fredo. Comment ça va?
serait une erreur de ma part déjà. Hein. Comme à la deuxième partie. Là, en vrai, Noir et SNT, je pense qu'il doit hésiter à rajouter un coup par là. Hein. Bah oui. C'est douloureux. Ah, ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier. Faut pas qu'il fasse tout ce bord droit, hein. Sinon c'est la merde. Peut-être que là Noir aura. Ah d'accord, j'allais dire peut-être que Noir aura pas envie de jouer en Q17, mais de jouer en Q15 là pour le coup. Ça jouait bien avec ces pierres là. Mais par habitude, peut-être qu'on a. On le voit beaucoup plus souvent en Q17, donc par habitude, peut-être que là il a voulu jouer là. Hmm. Donc là, petite Joseki. On va forcer une fois. Je voulais pas qu'il voit le message pour pas l'influencer, mais il s'en fout. Hop. Et... De toute manière, on pourra... Ça sert à rien de jouer sur la troisième ligne, parce qu'il peut passer au-dessous ici. Donc là c'est assez difficile de développer hein. Si on va par là il peut aller là, si on vient là bon on n'a pas grand chose hein. Il a quand même ce coup de forçant donc en fait autant se développer rapidement. Et oui ça fait deux gros coins pour blanc quoi. C'est pas très agréable ça. Bon, au moins la séquence nous a permis de regagner pas mal de temps. C'est Joseki, ça. Et maintenant, prochain coup de noir, moi je dirais quand même... Bon. Pourquoi pas, hein, en soi. Pourquoi pas approcher par là. Mais ce que je verrais, c'est un coup par ici, j'imagine. Ça peut être intéressant, pour ça. Un coup par là peut être intéressant, quand même. Mais clairement, de toute manière, les deux grands espaces qui restent, c'est ici et là. Direction de jeu pour Noir. Ou alors, comme je n'ai pas répondu au sud, trouver quelque chose à jouer par là. Normalement, avec la solidité que j'ai, ça va, mais bon. Ouais, faudra vraiment que je revoie ça. Parce que ça doit pas finir de cette manière. Ouais, sûrement à la place de P2, S2, quoi. Ok, tranquillement. Noir estime qu'il est bien dans la partie, j'imagine. Et qu'il a pas besoin de s'embêter. Après, moi je suis content de faire ce genre de coup, non? Ça fait un beau potentiel ici, quand même. En vrai, je vais venir par là, parce que là maintenant, avec son coup en C8, c'est facile d'aller jusqu'en B4, C4. On va venir là. Ça semble naturel. Et il reste H17 pour Noir. Et le Fuseki va se finir tranquillement. Là.
C'est timide, c'est un petit peu ses coups. Enfin, celui-là, je peux comprendre. Celui-ci est un peu timide, non? Ou alors, vraiment, il y a eu un comptage de points précis de noir, et c'est bon, c'est suffisant. Noir, combien... Alors, combien est-ce qu'il a de points, par exemple? En haut à droite. Entre 20 et 25. On va dire qu'il y aura 25 points ici. Ici, en bas à droite. Pour l'instant, il y a une quinzaine, je dirais. Donc on est à 40. Pour l'instant, ici, il y a une dizaine, on est à 50. Grosso modo, les blancs. Ici, il y a une dizaine, on va dire. À droite, on est au 0. Hein. Pour l'instant, ici, on dit 0 points. Donc 10, on est à 7 points de commis. Il faut qu'ici il y ait 33 points en haut au sud. C'est pas impossible. Sachant qu'on a le synthé, je pense qu'en fait on est encore bien dans cette partie avec ce synthé. Je pense que j'ai envie de protéger un peu par là. Le noir peut rapidement embêter. Et juste en réduisant comme ça, il réduit pas mal mes points. C'est embêtant, hein. On fait bien moins de points, on a moins de potentiel, et ensuite il continue sur du IOC, tranquille. Ou alors il met la pression sur mon groupe à droite. Il me dit que ça peut développer pas mal de points de juste se jouer par là. C'est un peu bizarre comme coup, je trouve, en fait. J'ai l'impression qu'il, c'est pas mauvais, mais il est peut-être bizarre. Sinon, il y a H17. Bon, J17 pour moi, mais H17 pour noir a l'air bien maintenant aussi, hein, c'est l'extension naturelle. Ce qu'il y a, c'est que quand je joue là, si noir joue ici, on peut venir là et ici. Et on menace quand même beaucoup plus dans cette zone. Donc les joueurs peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Ça m'intéresse de faire ça. Quand blanc-noir, il faut pas trop, je pense que bleu. Mince. Noir blanc. On se développe naturellement avec cette gueule de tigre. Sur la sixième ligne, ça peut être cool. Le Yuga, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Comme c'est indiqué, du coup, tu arrives sur une partie de tournoi organisée par Fulgurogo. Je sais pas si tu connais. Je pense. C'est du coup, c'est un tournoi de Jigo. Donc, comme son nom l'indique, c'est des parties qui se jouent avec un commis qui n'est pas à 1,5 en fait. Je sais pas comment dire, précis, on va dire rond. Donc, il peut y avoir des parties qui finissent à égalité de points. Donc, Jigo, c'est quand tu fais un résultat à égalité au Togo, quoi. Donc un concept sympathique. Je crois que le prochain tournoi auquel je participerai, mais ce sera en mi-novembre qu'il faudra s'inscrire, c'est un tournoi par équipe. Et ça pourrait être bien sympa aussi. Ça pourrait être bien sympa. Bonsoir Foc, comment tu vas? Ouais, ça met la pression, ok. Intéressant de savoir
que si j'ai un bon timing avec ça et même une poussée ici, ça c'est des gros coups. Ça c'est des coups très intéressants. Le problème c'est que je laisse ça et je laisse la vulné... 1, 2, 3, la vulnérabilité. Vulnérable. Oh, je sais pas le dire. Il est vulnérable, quoi. Désolé, c'est la fatigue. On va connecter puis voir. Si je fais ça. Que ça coupe. Non, il faut connecter, on verra après. Vulnérabilité, voilà. Je pense pas que ce soit complètement catastrophique, même si on pouvait avoir une meilleure séquence en bas à droite, parce que on avait Tenuki une fois et on a obtenu un mur qui était sans faiblesse. Mais bon. Salut Stone of the Goban, comment tu vas? Alors, ça veut absolument me séparer. Merci. Oui, je suis sur le tournoi, mais en catégorie Noël. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Désolé, hein, je mets du temps à répondre. Enfin, vous aurez dû mettre du temps à avoir la réponse, parce que pour ceux qui l'ont pas, je l'ai mis en message épinglé. Il y a 2 minutes de délai. Pour toi, comme ça, un tournoi. Ici, ça a pas l'air foufou de faire. Atsuke, souvent, on dit qu'on répond à Ané, c'est pour ça que je regarde ce coup en R12 en premier. Bien sûr, il y a ce Ané-là aussi, mais on se retire une liberté, on n'a plus que deux, alors que là, on a trois. Ici, ici, ici. Cependant, je pense qu'exceptionnellement, l'autre est mieux. Parce que quand je viens là, noir peut jouer ici. Si je passe au-dessous, il y a des suites d'Atari assez chiantes. Et en même temps, si je fais Atari là, tac, tac, et que j'essaie de recouvrir, il y a encore peut-être des suites d'Atari assez chiantes. Avec ce coup-là, même si je me prends Atari et que ça connecte, non, ça peut être embêtant. Non. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Peut y avoir des guettages géants par là. J'ai l'impression que c'est sympa ce genre de coup. Coucou mouton, c'est le meilleur le tournoi par équipe. Ouais, j'essaierai ça, j'essaierai ça. Enfin, s'il y a des gens qui veulent bien de moi dans leur équipe, je suis moins actif que la plupart sur le Discord de Fulgurugo. J'essaye d'être un peu plus actif, mais pas toujours facile. Ok, ça connecte comme ça. Bon, on sait que ça va faire des points par ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est connecter nos pierres. On convient par là. Et même en soi, je reviens sur ça, si noir vient par là, qu'on va là, on peut toujours glisser ici plus tard. Donc il n'y a pas beaucoup plus de points pour noir que ça. Donc ça va. Ah, ça donne envie de regarder ça. Ok, ça ne marche pas très bien. Par contre, le double année. Double année, intéressant. Merci, Foc. Ouais, pour l'instant, c'est une partie intéressante. Oh, c'est quoi tes petites animes pour indiquer tes positions? C'est l'application GLAT. Je vous le mets. Je sais plus sur quel truc il faut cliquer pour télécharger ça. Vous avez aussi Telegraph Go sur YouTube qui utilise ça pour ses miniatures notamment. Hop. Mais c'est vrai que c'est bien pratique. Il y a pas mal d'options, mais finalement, moi, j'utilise juste pour. Oula, j'avais cliqué sur l'autre goban. J'utilise juste pour éclairer ça ou pour faire des flèches. Et en fait, c'est tout bête, hein. Soit on va sur les flèches, soit sur les points comme ça. Un clic gauche dessus, c'est faire des points noirs. Un clic droit, c'est faire des points blancs. Et pareil pour les flèches avec le gauche ou le droite. Mais on peut faire des choses un peu dans tous les sens, hein. On peut faire des trucs comme ça, même si ça sert pas à grand chose pour moi, hein. On peut dessiner, on peut. Plein de trucs quoi.
J'appuie plus longtemps, j'imagine. Ouais, voilà. Ça peut être intéressant pour d'autres utilisations aussi. Mais je crois que ça a été créé spécialement pour le Go, en soi. Quand tu peux faire Atari d'un côté, souvent, il faut faire Atari. Là, ça fait l'angle vide à l'adversaire. Ensuite, je protège. Là, la petite séquence qui est sympathique, c'est je protège ici, et même si ça prend la pierre, contre Atari, enfin, c'est pas, contre Atari, ça capture, et je connecte. Et on fait quand même une forme assez agréable. Noir, il peut pas bourriner comme un fond ici, comme un fou ici, hein, parce que c'est pas encore complètement vivant ici à droite. Donc attention à ça. Mais ça choisit quand même d'être bon. Se passe quoi si je fais ça? Ah, il y a 4 libertés quand même, c'est chaud. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc. Il y a un co avec ça si on fait ça comme ça. Tac, ici noir fait ça comme ça. Tac. Ouais, noir peut peut-être venir là. Et quand je fais Atari, pour revenir là. Je capture. Ouh, c'est compliqué. Puis on fait Atari, puis je vais là. Ça cap... Ah! Mais si noir va là plutôt. Blanc, noir. Ah, l'histoire. Ok, non, il est noir, il ira là, tout simple. Je vais dire pareil ici, parce que même si ça capture que je viens là, que ça capture, je viens là, comment on fait ce deuxième œil? Si noir vient ici, je peux aller là. Il peut y avoir encore un co si noir vient en R14 et je fais Atari et qu'il vient en S15. C'est co, ok. C'est un co très intéressant pour moi, mais après je peux être coupé en deux, donc vraiment pour les deux c'est intéressant en fait. Je joue un peu avec le feu quand même. Je joue clairement avec le feu ici. Salut Kitsch! Je suis ici depuis un petit temps, mais ça marchait pas depuis mon phone. Ah mince, pardon. Dommage pour toi. En vrai, ouah, c'est du jeu de Go, c'est assez calme en vrai, mais... Ça dépend ce que t'entends par une ambiance. Ouh, what? Après, je dis what. Attention, hein, on a quand même des suites comme ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Bon. À voir si ça marche ou pas, mais on peut vite retourner avec peu de liberté, quoi. C'est dur. Elle est forte, Sophie. Merci pour le passage, j'ai eu. Ah, pas de soucis.
J'utilise depuis quelques semaines là sur notamment pour les vidéos YouTube et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour exprimer une idée parce que quand des fois j'énumère 10 positions à la suite, ça peut ne pas être évident de tout suivre selon le niveau de la personne qui regarde. Donc ouais, c'est. Je trouve ça intéressant de pouvoir montrer la séquence. Après, en tournoi, il faut que j'utilise vraiment avec parcimonie, juste quand je suis sûr d'avoir lu une séquence avant et que vraiment je suis sûr la séquence, ça va pas changer mon avis. Ou pour montrer juste des choix de coups dans le Fuseki, par exemple, parce que ça pourrait vite être de la triche sinon, parce que ça peut me faire réaliser ah non, finalement, ça marche pas. Faut que je fasse attention quand même. Marche, non? Ce que je dis, c'est noir, blanc. Ouais, non, noir, il faut qu'il garde absolument son œil ici. Déjà, noir peut faire ça, tac tac. J'ai jamais joué au Go. Je suis passionné par le jeu d'échecs et le Go. Il y a pas mal de principes qui sont similaires. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que je veux pas trop me disperser, mais c'est tentant. Je comprends. Tu peux déjà, en tout cas, jeter un premier coup d'œil avec ça. Pour avoir les règles, vraiment. C'est une playlist, mais... Oh, bon, bah, le bot qui était pile au même moment. C'est une playlist, mais dedans, tu auras une vidéo de 6 minutes, 6 minutes, quelque chose, 28, je crois, des règles du jeu. Donc, tu peux trouver ça facilement. Et voilà, tu auras déjà un premier aperçu. Est-ce que ça a l'air tentant ou pas, quoi. En blanc, va alors si noir connecte. Blanc, noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir ne peut pas aller là, mais cela dit, blanc ne pourra jamais aller là. Ça sent pas bon quand même. Elle est vraiment forte. Elle va me tuer là. Elle va me tuer. C'est terrible. Après, avec ce coup, ce qui est marrant. La tactique est magnifique sur ce jeu, mais en strat, comment tu fais pour savoir où jouer? Bon, ça, c'est une question d'habitude, je pense, hein, tout simplement, petit à petit. Mais au début de partie, déjà, par exemple, il y a des grands principes, c'est de jouer d'abord dans les coins, de jouer ensuite sur les bords, de jouer ensuite sur le centre, ou de jouer les grands espaces. Très souvent aussi, c'est estimer combien de groupes de liberté à mon groupe, comme tu verras dans la petite vidéo. Par exemple, cette pierre-là a 4 libertés. Mais là, ce groupe-là, on voit que très rapidement, je n'ai plus beaucoup de liberté. Est-ce que ça va aller? Après, oui, je vais mourir, mais bon. Etc., etc. Donc, en fait, toutes ces petites notions mises côte à côte te permettent de savoir à peu près où jouer. Et après, bien sûr, c'est comme pour tout, hein, c'est en faisant des erreurs. Trois fois, tu feras la même erreur. Tu te diras, bon, ok, ça ne marche pas. Tu passes à la suivante. Faire revoir ses parties pour recevoir des conseils, etc., etc.
regarder les parties toujours plus fort. Mais je pense que c'est beaucoup comme aux échecs. Dans quelle région elle est pire? Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, mais il y a un décalage de 2 minutes. Merci bien pour les vidéos. Pas de soucis. Ce qui est marrant ici, du coup, je vous le dis, c'est que je peux jouer en T6. En T7. Parce que T6, ça ne marche sûrement pas. Merci pour le follow, Kitsch. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Bon, déjà ici, est-ce que je suis sûr de mourir? Faudrait que je connecte là. Si je viens ici, noir peut snapback. Si je viens là, je me mets en auto-attaille. On connecte, on n'a pas le choix. Et ensuite quoi? Noir. Blanc. Noir. Blanc. Déjà, on va prendre le plus de liberté possible. Et je suis pas tout à fait mort. Hein. Parce que là, je peux venir en T12, sacrifier ma pierre. Oh, si je suis mort, si je fais ça, en fait. Je crois qu'on a pas tout... Attends. Non, si je fais ça, je suis pas mort. Il faut jouer... Attends, T12. Capture. Je vais en T14. Ça protège. Si je suis mort, si je fais ça. Et si je viens là, bah, c'est il compte pas d'œil, de toute façon, donc je suis mort, oui. Bon, je laisse ça en menace de co. Maintenant, il faut être sûr de pouvoir connecter ici. Et ce qui est marrant, c'est que si je connecte ici ces pierres-là, tac, 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 si j'arrive à connecter, noir meurt là, mais en plus, noir devra se poser des questions avec cette position ici. Toutes ces pierres-là, les 6. Maintenant, on va trouver le bon coup. Donc T6, T7. Si je crois que c'est T7, mais il faut que je dise. Si je fais T6, si noir va en S6, je vais juste en T7, et même si noir T4, je connecte, et fin de l'histoire. Donc ce n'est pas ça. Mais si noir va en T7, je fais quoi? Je vais en S7, et noir va en S6. Je peux pas reculer en T5, sinon je mets en auto-attari. Donc je capture en T8. Le noir va en T4. Je connecte en T5. Il recapture en T7 en fait. Ouais, donc c'est T7. Et là, avec T7 tout de suite, ça a l'air d'être le point clé, de toute façon, hein, à chaque fois, c'est ça qui revient. Si je vais en T7 tout de suite, si noir va en S6, je vais en T6, et là, c'est la situation de tout à l'heure où ça va. Et si noir va en T6 direct, je vais en S6. S'il va en S7, je capture en T5. Et ça a l'air d'être... Sacré échange. Du coup, moi, je meurs là. Donc, imaginez, tout ça, c'est à noir, finalement, hein, toute cette zone. Et en plus, toutes ces pierres-là, du coup, c'est capturé, plus les points qui apparaissent au-dessous. Donc là, cette zone, il faut l'imaginer deux fois plus grande. Donc, en fait, noir, il a tout ça, hein, clairement, il faut dire. Mais là, blanc, il vient de recapturer ça. Donc, blanc, il a tout ça. Il y a des grosses données de côté. Sacré échange. Mais là où je suis content, c'est... comme je disais, ça, il faut faire vivre maintenant. Donc à voir comment Noir se débrouille.
Et ici, je garde des menaces. Si jamais on a un ko plus tard, je peux lancer un ko en faisant. Non, c'est s'il y a un ko ailleurs, j'ai des menaces. J'ai 2-3 menaces en fait en jouant du T13, etc. Enfin, du T12 d'abord. Il capture, je viens là. Il faut protéger, je peux jouer là. Bref, il y a des menaces. Le R13 est peut-être pas une menace à la fin. Non, parce qu'il y en a eu. On a 2 menaces. C'est déjà bien. Et Sophie vient d'envoyer. Ah! Oui, on est tellement focus sur ça que c'est sûr, là, on s'y attendait pas forcément. C'est pour ça que, comme ici, là, je n'ai pas envie de jouer plus loin parce qu'on a lu que ça ne marche pas. Ici, on lit que ça ne marche pas. On n'insiste pas. On ne joue pas les 1, les T2, on ne tente pas des trucs un peu improbables. Même si une fois sur 10, il y a des choses qui peuvent marcher, on sait bien, mais si on parie sur l'erreur de l'adversaire, c'est pas une bonne initiative, je pense. Il vaut mieux laisser pour plus tard. Comme ça, on a encore quelques libertés. Et peut-être, comme là, un jour, ça peut resservir. Donc c'est intéressant. Ok, donc là ça joue sur le manque de liberté. C'est parce que si Noir vient là, je vais là, il fait Atari tac, il peut essayer de jouer sur le manque de liberté, ça peut être dangereux. Ah, juste couper. On coupe, ça empêche Noir de venir ici, sinon il se met un auto-Atari, on capture. Alors, tip top, thank you. Ça fait longtemps que tu joues? Ouais, ça fait depuis août 2010, ça commence à dater. Ça commence à dater. Après, j'ai le même niveau, je suis bloqué au même niveau parce que je fais pas grand-chose non plus pour aller beaucoup plus haut. Depuis une dizaine d'années, hein, à peu près. Comment t'as commencé? Au pif, en fait, j'ai un frangin qui m'a amené quand j'étais gosse. Au club de Go de Brest, et j'ai été 2 fois avec lui, mais après il a arrêté d'aller, et du coup j'ai arrêté. Et c'est à mes 16 ans, comme ça, vraiment, je m'inscris sur KGS, du coup, qui est le serveur de base, surtout avant en 2010. Je m'inscris vraiment sur un coup de tête, et le jour même ou le lendemain, je vais au club de Go de Brest, je me présente, et c'est bon, je commence quoi. Donc c'est vraiment comme ça quoi. Mais la plupart des joueurs de ma génération, on va dire, ont commencé en lisant le manga Hikaru no Go. Si t'as entendu parler, qui est sorti vers 2003-2004, donc moi j'avais la dizaine, donc c'est vers là quoi. Noir fait Atari ici. Il peut toujours pas aller en Q10, hein, c'est toujours un auto Atari. Donc on peut en profiter parce que là, Noir il veut pouvoir jouer un coup, celui-ci ou celui-là, pour enfermer et poser des questions continuellement. Et grâce à ces questions, aider son groupe. Donc Blanc veut les mêmes coups. Blanc veut ça ou ça. Tout simplement. Attention, quand on joue Kema, il faut se dire qu'est-ce qui se passe si Noir push et coupe. Pour eux, c'est plus Nobby. Noir a né, hein, il n'y a aucune raison, je pense. Attention aussi au scénario où Blanc se fait un quart de Goban. Ça, c'est dramatique, ça se produit. Et en même temps, c'est pas évident. Bonsoir, Nwanda. Oh, t'es breton ça? Nwandadakok? J'avais pas vu les autres questions. Est-ce que t'es passé par les échecs? Oh, j'ai joué. Comme tout le monde, je pense que j'ai joué 5-10 parties dans ma vie. Juste parce qu'il y avait un jeu d'échecs quelque part ou n'importe quoi. C'est. Donc, non, je veux dire, non. Mais je sais jouer aux échecs, quoi, on va dire. Je connais les règles. En soi, il y a moins de règles finalement aux échecs. Si on prend chaque mouvement de pièce spécifique comme une règle, il y a moins de règles aux échecs, je pense qu'au. Non, il y a moins de règles au go qu'aux échecs. Mais le développement est peut-être un peu plus étendu, quoi. Un poil.
Et t'as droit de poser des questions. On est là pour promouvoir. Ouais, pas évident pour nous. Il y a des retournements de situation. C'est assez fou. Mais la partie est peut-être plus plaisante comme ça aussi, regardez. On se demande qui va foutre la prochaine gif. Ah, mais il y a des mangas de Go intéressants. Ouais. Moi, je te l'écris comme ça, tu l'auras direct. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas parce que donc ce que vise blanc à ce, noir à ce moment-là, c'est je capture, il vient là, je protège, il vient là. Et en fait, quand je capture, il fait Atari et je dois revenir là. Sauf qu'en fait, on peut capturer cette pierre. En fait, je dis n'importe quoi, non, c'est moi qui me fais avoir. Alors, comme le jouer, hein, parce que je l'ai vu avec le truc à côté, donc je suis obligé de le jouer. Non, ça ne marche pas, justement, parce que c'est Atari. Non, j'ai bien lu. J'ai bien lu. C'est-à-dire, je re-réalise avec le vrai Goban, c'est bien. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Atari sur cette pierre. Blanc. Je peux monter aussi, en fait. Non, c'est risqué de monter. Parce que noir peut capturer. Menacer à la fois d'aller ici, là. Donc là, il faut que je capture. Mais ce qu'il y a, c'est que ça met Atari sur cette pierre. Il n'y aurait pas eu l'Atari sur cette pierre. C'était beaucoup plus violent. Parce que noir, quand il faisait Atari ici, j'allais là. Et voilà, le plan, c'était il allait là. Et je pouvais pas compléter en D8. Mais je peux toujours pas, en fait. Non, ça marche pour elle. Pas qu'on n'importe quoi. Hein. C'est. Désolé, hein, grosse journée encore. Le lundi soir, c'est pas bon pour moi. Ben, ouais. Ouais. Bon, ben, c'est compliqué comme partie. On est obligé de capturer ici. Si je complète là, noir, blanc, noir. Douloureux. Bon, ben, noir capture. Faut compter, hein, parce que est-ce que j'abandonne? Il faut compter. J'ai vraiment trop du mal contre Sophie. Ici, on disait qu'il y aurait quoi? 30 points? 40? On va dire qu'on est à 45, 50, quoi. 50 et noir. Noir, beaucoup. On va dire ici, il y a une dizaine pour l'instant. Sauf que là, entre les pierres capturées plus celle-ci. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, noir à 80 points. Et blanc, je vais en compte, je vais en compte 40. C'est fou. C'est fou de se faire exploser à ce point-là. On va tenter le tout pour le tout. Mais vraiment, Sophie, c'est incroyable, elle m'éclate. Ikaro, pour moi, c'est un champion d'échecs. Oui. Je connais. Nanda, petite ref au cercle. Ah, je me souviens pas du nom. Ok. Pourtant, j'aime bien ce film. Shame. Ah ouais, il y a plein de retournements au go. Ça, c'est cool. Ah, il peut y avoir, bah là, comme là, ouais. Après, là, c'est surtout moi qui ai mal lu, du coup. Donc, après, et non, depuis le début, c'est je me fais avoir. Ah, j'ai pas été très doué. Donc là, mon coup
En fait, ma coupe ici était composant fantasy s'il fallait que je connecte. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Bon, on essaye, hein, là, notre dernière. Le salut, il passe par faire quelque chose d'immense ici, mais bon, c'est compliqué. Parce que c'est à noir de jouer, donc. Ouf. Même, hein. Noir, il a quand même de quoi faire. Hein, donc. Il vient là, il se dérange pas. Hein. Il peut sortir dans cette direction, il peut sortir dans cette direction. Et même à la rigueur par là. Donc, bon. Ça devrait aller. Ouais, c'est fou, hein, j'arrive pas contre Sophie. Donc grosse erreur dans la partie, c'est de pas avoir joué le S2 et ici j'aurais dû protéger la coupe avant, mais je sais pas à quel moment. Je sais pas comment j'aurais dû jouer, du coup c'était sûrement une erreur le P12 tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est vraiment le coup fantaisiste ici, alors que c'est une situation compliquée. Tu connais à la place de Q8, je connecte en Q10. J'ai plus de liberté et ça ne se produit jamais. Il n'y a que 3 libertés dans le coin. Donc ça, c'est vraiment stupide de ma part, c'était la gourmandise. Dommage. Dommage, dommage. Salut, Art Turtle. Q7 santé. Tout à l'heure? Faudra qu'on regarde. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Je suis même pas encore vivant là. Faut savoir, hein. Mais je peux pas m'autoriser de jouer avec ça. Ok. Ouais. Bon, ça c'est plutôt santé, hein. J'essaye à la fois, même si je réponds pas en haut, hein, je laisse une faiblesse en E18, hein, on est d'accord. Il y a une petite faiblesse ici, grosse réduction. Mais j'essaye à la fois, là je menace de couper ici. Et à la fois, en fait, en jouant cette séquence, j'essaye d'augmenter un peu mon potentiel ici, tout en connectant mes pierres. Qui est encore un peu en danger, on va dire. Allez, on va jouer un peu gourmand. On n'a pas le choix, hein. Il faut faire le plus de points possible. Et ensuite, il faudra recompter.
3 fois 14, 42, 41. Là, on est en train de se faire pas mal de points. Hein. Il faut voir si on a donné plus à l'adversaire ou pas, mais on se fait des points là. On se fait pas mal de points ici. Hein. Attention, noir a pas trop donné. Après, il y a des gros yossés pour noir. Ici, ici, ici. Attends, on peut pas tout avoir, mais. Ouais. Bonsoir Zenga, ça va? Demain, je mettrai la partie sur YouTube pour ceux qui l'ont pas eu en entier et qui voudraient regarder. Avec les SGF, tout ça, tout ça. Et il y a aussi, si vous voulez voir, il y a les deux premières rondes qui sont sorties. Je vous les mets si vous voulez. Le plus simple, c'est... Si vous aimez bien les parties dans cette ambiance-là, il y a déjà 24 parties de tournois publiées. Des tournois que j'avais fait avec Stone the Shell, ou aussi Stone the Shell, des parties commentées de mon deuxième tour du championnat de France, etc. Tournoi Escarmouche, le tournoi de Godbrest que j'avais résumé. Hop, je vous envoie ça. Bon, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'en vois si un alors que le direct dans 2 minutes, mais. Je peux pas trop rester, mais je passerai volontiers une prochaine fois. Passe une bonne soirée et à bientôt. Ok, bonne soirée à toi, Kitsch. À la prochaine. Bon, alors clairement, les gros points qui vont rester, ce sera par ici, par là, par là. Voilà. Et bon, des magouilles à jouer sur le centre là. Mais ouais, c'est vraiment les grosses zones à jouer. À voir où est-ce qu'on veut donner plus de valeur. Particulière comme partie. On a fait deux grosses erreurs. Et noir n'a pas fait de grosses erreurs en fait. Trouve que ce qui pourrait embêter noir dans cette partie, c'est qu'il a eu des coups un peu lents. Vers là, vers là. Tout à l'heure, ce coup-là. Déjà venir par ici. Est-ce qu'on peut faire H19 derrière? Normalement, ouais. Je pense que noir, il peut venir là. Menacer de venir direct par ici. On va continuer. On joue le Yossé, hein, ça a l'air d'être gros de ces coups-là. En fait, ça retire le 18. C'est ça qui est immense. Et maintenant, ça ou ça? Ah, celui-là, il est très très gros, hein, parce qu'il a senté puis senté. Alors que là, c'est senté, mais bon, non, c'est goté, c'est un gros goté, quoi. Tac, 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 tac. Bon, on a les trois, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est cool, ça. Bon, il n'y a plus de 10 points ici, par contre, on avait mal compté. Ouais, il y a une petite faiblesse, je sais pas s'il fallait jouer tout de suite. Bon. On va recompter, hein, parce que là c'est important, voir comment on aborde la chose.
Ouais, j'ai 80. J'ai le commis aussi. Bon, j'ai 90 points, on va dire. Ouais, c'est vraiment la. D'avoir pu faire ça. Et d'avoir les bons santé et tout. 90 points, on va dire. Pas capturé de pierre, si 3, bon. Entre 90 et 95. On note ça juste de côté, 2 secondes. J'ai une mémoire de merde. Les noirs. Une centaine. Quand c'est noir, entre 5 et 10 points d'avance toujours. Ah là 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 là. Une dizaine de points à rattraper. Il va falloir que je joue un santé prononcé. Je vais peut-être un peu m'en parler du coup. C'est peut-être un peu risqué parce que ça peut appuyer ici, je connecte. Puis ça peut aller là. En fait, les points que je retire ici, je vais me les retirer ici. Donc il vaut mieux tourner. Mais ça menace de réduire encore plus par ici maintenant, ou alors d'appuyer ici et de faire un peu plus de points. Donc ça a l'air plus intéressant. C'est pas très santé, mais ça semble gros. Là, maintenant, noir, ce qu'il doit faire, c'est déjà s'emparer de toutes ces santé. Oui, voilà, par exemple. De santé. Ouais, maintenant, je vois beaucoup moins de gros santé pour noir que tout à l'heure. Maintenant que cette séquence-là, cette séquence-là et cette séquence-là sont finies. C'est dire le retard que j'avais. Ça joue ici, on saute. Ça joue là. Ça prend ses santé. C'est logique. Maintenant ici. Noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc, noir. Il peut faire chier par ici. Noir, blanc, noir. Blanc est obligé de résister comme ça? Trop chiant. À voir. On va voir que déjà comment ça joue. Ah, ce coup-là est gros, ouais. C'est vrai. Mais par ici aussi. Noir, il a envie des deux. Y a quand même une grosse différence de points. Si noir joue ici et qu'on vient là, que noir pousse là, on vient là et que noir vient là, il y a combien de points on va dire jusqu'à cette ligne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Si c'est blanc qui vient là.
Non, il défend comment? Il y a combien de points du coup? Blanc il peut aller là, noir il vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit combien tout à l'heure? Moins. Bon, je vous dis que j'ai une mauvaise mémoire. 6 contre. Ah oui, c'est quand même 8 points ça, du coup. Ah oui, c'est énorme, c'est immense. C'est peut-être plus gros que ce que K5. Bon, quand ça coupe en D6, si ça coupe en D6, il faut faire attention, hein, parce que ça, c'est le genre de séquence où très vite on peut se dire, bah je la prends ta pierre, oui mais double attaque. Attention à ce genre de séquence, ça peut arriver rapidement. Comme là. C'est-à-dire, je protège ici, oui mais attaque et double attaque. Donc là, il faut connecter comme ça. C'est un peu moche, mais bon. Pas comme si on avait le choix. Donc encore ce choix, hein, tac ou tac. Ça vient là d'abord. On protège. Ok. Dans ce cas-là, je peux reculer et limiter ce dégât. Comme la coupe ne marche pas derrière. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais. C'est un peu dommage, non? Il n'y avait pas quelque chose avec ça pour noir? On va regarder. Pareil, hein, à la fin de la partie, je vais être obligé de couper le stream et de le relancer juste derrière. Parce que, il faut que je retire, le délai de 2 minutes. Donc moi je me prendrai une pause de 2 minutes, je couperai le stream, ça vous coupera le stream et je reviendrai au bout de 2 minutes pour relancer ça. Vous ferez F5 au pire. Bon, ça vient là, je viens là. En temps, ce CNT, hein, pourquoi s'en priver? Maintenant il faut aller là. Là. Ce coup, on a l'impression que c'est forçant. Noir vient là, parce qu'on menace de connecter. Mais plus tard, il y a ce double atari et ça fait chier du coup de donner un double atari. Salut Groot! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, un bot. Merci pour le follow, Lion Buffle. Bienvenue à toi. Encore un animal. Cette carte, c'est son vrai nouveau, Sofonx. Ouais, je crois. Je pense que c'est ma bête noire. Clairement, on peut le dire. Hein. C'est ma bête noire. Perdu à l'autre tournoi aussi. Et le dernier, là. Escarmouche. Mais après, on avait joué ensemble au tournoi de Rennes, mais c'était une partie Blitz. Donc là, j'avais gagné, oui. C'était un massacre, mais Blitz, quoi. C'est juste des belles prestations. Bon, la séquence rêvée. Noir, blanc, et noir se dit je coupe. Mais on fait Atari, non, ça marche même pas pour moi. Tac, tac, des trucs du genre en fait. Pas de cette pierre, il faut juste, quand ça vient là, quand ça vient ici, il faut juste que je recule en fait.
Je sais pas si ça recule que je viens là, noir coupe. Ça c'est intéressant. Bon, j'ai l'impression que ça n'aura pas suffi tout ça. J'ai pas recompté. On a fait quelques points ici quand même. Ce coup-là, on peut le jouer, hein, mais il faudra vraiment qu'il y ait un autre après. On joue ça, tac, tac, et on connecte ici, ça fait 2 points. Trois si on compte le point qu'on réduit ici, parce que Noir ne peut pas jouer en Q7 du coup. 3 points. Centaines de points. Un peu plus, 103. Et en face. On a creusé, hein, mais bon, on gratte, mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Réfléchir hein, vraiment à gagner le plus de points possible, mais évident.
Ah, il y a une question. Je peux afficher, mais je vais pas faire ça. Donc, pas d'aide, essaie de noter ta question. Après, pour la partie, ça pourrait donner des émissions. Ok. Merci, Foc. Salut, ok, même un coup passé depuis longtemps, on n'en parle pas. Ça, je sais pas, ouais. Parce que tout à l'heure aussi, Gauchy a supprimé un autre message aussi qui était une question de. C'était juste pas un peu lent, trop P2 une fois que j'avais joué. C'est assez dur de. Je comprends hein, que bah, Foc et Gauchy. Après, pour un truc qui est déjà passé. Si ça n'a plus aucun impact d'en parler, je sais pas, ouais. Après, oui, évitons, peut-être, je sais pas. Franchement, ouais. Je pense que c'est pas bien grave. Pour un truc qui est déjà passé. Mais faudrait pas que ça puisse provoquer un incident diplomatique. Ah oui, c'est nul. C'est nul. Je pouvais pas protéger sinon il y avait Snapback. Oh, la capture de pierre gratuite. Ouf. Ça va, j'étais pas en avance pourtant. Ça fait chier. On a fait ce point en plus. Ouh. Bon, on donne une pierre. Bon, on peut juste espérer que je me sois trompé dans le comptage. Ici, je peux pas me tromper, hein, c'était assez net. Ça cherche les emmerdes, hein, avec toutes ces libertés ici. On reconnaît, hein. Et de cette Atari ici, et de peut-être pas avoir assez de liberté et tout pour tout protéger. Elle est fourbe, hein. Tac, 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 tac. Je peux pas aller là. Autant faire ça tout de suite, du coup. De toute manière, c'est une séquence assez forcée. Ça, quand il va là, je peux aller ici, il me reste deux libertés. Quand ça capture, je pourrais capturer si je veux. Là, elle peut aller là. Capture. Et ça sera un fauteuil. Pas bête la guêpe. Bon, je vais pas recompter, hein, là il faut juste faire du mieux qu'on peut. Mais ouais, quelle catastrophe, ce qui se passait là, ce qui s'est passé là. En fait, on a beaucoup de pierres capturées de sa part, quoi. On a aucun santé, c'est incroyable. Je ne vois rien. Il n'y a pas eu de co en plus, on n'a pas pu utiliser ça. C'est vraiment le coup. Le coup que je vais jouer par là, là, pour empêcher la coupe.
C'était dramatique, ça, comme idée. Et ça faisait joli, mais en fait, ça marchait pas. C'est vraiment game changer, quoi. C'est vraiment. Tout à l'heure, on expliquait, oh, le groupe noir sera en difficulté et tout. Ça, c'était gagné comme partie. Et en deux coups. Ouais. Ok. Ouais, parce que ça donne ça. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne rien de très joli. Noir, blanc. Donc ça vaut un point. Est-ce qu'on a un coup qui vaut plus d'un point? Celui-ci. Celui-ci en vaut deux. Parce que ça retire le point en L6 et ça retire le point en N7. Donc ce coup-là est plus gros que revenir ici. Déjà. Ça non. Ça c'est un point. Enfin ça en vaut deux parce que je retire un ou alors on me retire un. Donc ça c'est ça en vaut deux aussi, ok. Ça en vaut un. Ça en vaut deux. Ça en vaut deux. Ok. Donc là, un de nous deux va avoir celui-là. Un de nous deux va avoir celui-là. Je vais avoir ça. Noir aura ça parce que c'est gratuit, c'est SNT. On va déjà venir là. Noir vient là. On vient ici. Noir vient là. On vient là. Noir vient là. On vient là. Noir vient là. On vient là. Ok, oui, de toute façon, oui. Oui, bah oui, ça vaut deux points alors que là, ça en vaut un. Mais c'est SNT. Pour noir, c'est si blanc ne répond pas, ça vaut beaucoup plus, donc. Je pense que c'est. Qu'est-ce qui se passe avec la coupe là? Noir. Blanc. Noir. Blanc. Est-ce qu'il y a des emmerdes ici? Noir. On va pas faire ça, hein. On l'a déjà dit, il y a double atari. Donc quand noir fait ça, on vient ici. Mais noir vient là. On n'a plus que de liberté. Atari, ça monte. Atari, tac, atari, tac, on descend. Noir vient là. On est encore obligé de descendre. Sauf que noir est ici aussi. Donc noir peut capturer. Oh là là, il y a vraiment une emmerde ici. J'ai l'impression, hein. On va vérifier maintenant que je l'ai joué. Noir coupe, on est obligé de protéger. Noir vient là, bien vient ici, noir vient là. Et blanc, du coup, il est obligé de pousser de ce côté. De pousser. Et ensuite, il doit continuer encore. Tac. Noir vient ici. Mais blanc, il ne peut pas protéger. Hein. Sinon, noir, il revient en B2. Et on risque de mourir. Donc blanc vient ici. Et noir capture ça. Et ça peut être vite la merde. Ok. Pour ça, de toute façon, un jour ou l'autre, ça sera joué. Il reste quoi? Il reste cette capture, il reste ça. C'est à peu près tout. Ouais. Pas fameux. Ouais, noir est devant. J'ai la sensation, en tout cas, j'ai pas l'impression que le Koyosé, le petit Yosé, là, j'ai pas l'impression qu'il était en ma faveur du tout. Donc, ouais, chaud. Dernière petite vérification. Tout est fermé ici. Ah, je dois jouer ce coup. C'est un coup forçant et blanc devrait. Noir devrait aller. Bon, on peut même faire Atari pour qu'il le joue. De toute façon, c'est dédamé. On devra jouer là un jour. Ici. Pas l'air d'avoir de problème. Hein. Si ça coupe là, on vient là. Si ça coupe là, je suis chaud. Yeah. Noir, blanc, noir. Et. Ce sera tout. Ce sera fini. Blanc, noir, échu. Ouais. Ouais. Alors vos pronos? Enfin, vous avez quelques secondes
pour voir qui gagne. On va continuer à fois pour juste pour l'exercice de lecture. J'ai 110. E6, 9. Deux. 8 direct, ça marchait direct. Ah oui, ok. Ok, pardon. Ok. Ça roule. Ah bah oui, direct, oui. Pff. Je sais pas dans quoi je parle de calculer alors que oui, il y a tout ça. Vous avez raison, désolé. Vous avez raison tous les deux. Et salut Patate et salut Moise. Ouais, compagnon. Désolé. j'ai dit quoi? J'ai dit 110 et noir. Je crois que Noir gagne de 1. Ah, c'est pas vrai. Je compte 111 pour Noir. Non, il n'y a pas de coup magique. Hein. Il voit un point. Passe. Ah là là. Je compte 110 à Enlever les 111. pierres mortes. Oh! Je trompe d'un point. Égalité. Digo! c'est marrant en vrai. En vrai, c'est marrant. Franchement, je reviens de loin, je pense. Hein. Le graphe, il le dira, mais... Vous avez gagné.